Oh oui, c'était pas un rêve. Bienvenue à Ski Mag. Cette semaine, on skie le massif de Charlevoix, façon Club Med. Ski Mag est une présentation de E-Wool. Activez la chaleur. Cette émission a été enregistrée au Club Med Charlevoix et au Massif de Charlevoix. Yes. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, c'est notre première fois ici. Super, donc je vais vous guider vers votre casier. En fait, vous avez le même numéro de casier que votre chambre. Vous êtes quel niveau? Niveau 6. Niveau 6, certainement. Donc, vous allez être avec Jonathan, qui vous attend déjà. Parfait. Et puis, on sort, puis on est directement sur les pistes. Directement à la sortie, vous êtes directement sur les pistes. En fait, on a la chance d'avoir un ski in, ski out. Vous pouvez directement aller prendre votre bière après le ski, sur vos skis. Mais là, pour l'instant, on focus sur le ski. Là, maintenant, c'est le ski. C'est le ski. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci, Thomas. Ça bonne journée plaisir. À toi aussi. Bon, on va se revoir après. Bye. Le casque, cool. Salut, Michel. C'est bien. Hey Michel, j'ai hâte, là. Oui, je sais. Mais c'est pratique parce que hier soir, à l'enregistrement, ils nous ont posé des questions sur mon niveau de ski. Oui. Tu sais comment est-ce que je suis? Je suis un peu vantard. Ah, oui. Je l'ai mis pas mal, puis ils nous ont mis dans le plus haut niveau. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils nous ont attribué un moniteur niveau 4, là, MSC. Oh, ça, c'est le fun. Mais en passant, c'est le fun, hein? C'est le luxe. Direct, c'est pas. Regarde ça. Ah, on va au poteau 6. J'étais un petit peu plus loin là-bas. Hey Jonathan! Ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes! Hey, tellement content de te rencontrer, tellement content que ça soit enchanté avec nous. Ça Michel, va... c'est ça? En plein ça. Miguel? Miguel. OK, parfait, enchanté, ça va bien? Bien sûr! Yes! Mais tu sais que Miguel connaît un peu la montagne. Je pense que oui, j'ai entendu dire qu'il était pas mal professionnel autour d'ici, fait que... Mais ouais. Moi, je vais être un bon visiteur, puis je vais te suivre. Non, mais parfait, ça, excellent, excellent. On va avoir une super belle journée aujourd'hui, là, avec la température, la neige est belle. Toutes nos pistes sont ouvertes. T'as-tu vu le gars qui a hâte d'aller skier, là? Ouais, je vois qu'il est prêt, il est prêt. Allez, on y va. Notre visite au massif s'est faite à la mi-avril 2023. La température de ski de printemps était juste parfaite. Hey, Jonathan, il fait tellement beau aujourd'hui. En fait, là, nous, on est venu prendre la chaise. En réalité, là, avec les invités du Club Med, ils ont accès à la gondole assez rapidement, à 200 mètres de l'hôtel. Mais aujourd'hui, avec le beau temps, j'ai décidé qu'on viendrait prendre la chaise là, pour qu'on puisse sentir le vent un peu dans le visage. Donc ici, on est sur la chaise Grande Pointe. Mais le secteur Grande Pointe, ici, nous donne accès là, à tout ce territoire. Donc on part d'en bas, presque du fleuve, jusqu'au sommet de la montagne. Ensuite, on a un autre versant qui s'appelle Camboul. Donc, on a un autre télésiège là-bas, quadruple, débrayable, de ce côté-là, qui nous amène un petit peu plus haut dans la montagne. Et aussi, l'angle des pistes est un peu différent. Donc, des fois, la neige peut être un peu différente de ce côté-là. Puis, en plus, là, il reste un autre secteur là aussi, là, vers le Maillard. Oui, c'est ça, exactement. Donc, à notre gauche ici, le secteur Maillard, il y a une autre chaise quadruple de ce côté-là, d'aller avoir accès à la fameuse Charlevoix ou la 42. Sont des pistes là, dont la réputation n'est plus à refaire. Exactement, exactement. Alors, oui. Je disais que c'est 770 mètres de dénivelé. Ce qui nous amène presque à la plage au fleuve. Là, donc, au Canada, là, c'est la plus haute dénivelé à l'est des Rocheuses canadiennes. Exactement, alors, exactement. C'est quand même du gros ski. Il y a de la neige ici là aussi. Là. On a un enneigement naturel d'environ 650 cm en moyenne par saison. Un petit 10 minutes de montée et on se retrouve au chalet du sommet pour notre première descente. Nous, là, je pense qu'on est pas mal expérimenté aujourd'hui, parce qu'on va aller directement à la batture, mais avec les niveaux un petit peu moins avancés, on fait un petit peu une sélection, un tri des groupes en bas sur téléski brise-glace ou en haut ici avec des niveaux niveau 3 ou 4. On monte en haut ici au téléski dans la piste Prélude. Wow, que c'est beau! Hey, mais hein, Michel, écoute, là, si tu regardes ici, là, on a une des plus belles vues au monde. Je pense pas qu'on puisse retrouver ça ailleurs. Là. Tu sais, c'est vraiment spectaculaire. Tu vois le quai de Petite-Rivière-Saint-François ici.
l'île aux coudes qui est là, dans la baie, c'est baie Saint-Paul. Puis tout au fond, là-bas, en arrière des montagnes, on voit le mont Grand Fond. Vraiment, là, on ne retrouve pas ça nulle part ailleurs. Bien oui, on a l'impression qu'on skie jusque dans l'eau. Vraiment, Michel. C'est tellement paisible. Oui, écoute le silence. La Batture, une piste avec ses courbes, offre une descente sur neige naturelle à 100 % du pur bonheur. Avec le Club Med, c'est pas juste offrir un service d'accompagnement. On essaie d'améliorer votre ski aussi quand vous skiez avec nous, là, avec les moniteurs de l'école de glisse. Parce que c'est ça, vous êtes de l'école, vous êtes des moniteurs certifiés. C'est ça, c'est ça, exactement, exactement. Donc nous, on offre ce service-là, ça s'inclut dans le forfait Club Med, tout ça. Donc moi, je vous évalue un peu là. Moi, ce que je te dirais, Michel, ce serait de juste venir terminer ton virage en poussant un peu les pieds vers l'avant pour que ton talon de ski accroche un petit peu pour pas qu'il glisse, tu sais, loin de toi. Oui, il a glissé. Un petit peu, ouais. J'ai senti. Exact. Exact. Mais ce serait ça, je dirais, pour que tu puisses avoir un petit peu plus de friction là en arrière avec ton talon pour qu'il t'amène vers ton prochain virage. Tout ça. On va regarder Miguel maintenant descendre. Oui, c'est pas beaucoup de vitesse, j'aime ça. Miguel, hey. Il prend pas beaucoup de vitesse. Miguel a une vitesse. Il a une vitesse, hey, good! Hey, good! good! J'ai bien aimé là, que tu pousses beaucoup pour avoir beaucoup de vitesse au début de tes virages, tout ça. Moi, ce que je te dirais un petit peu similaire à Michel, ce serait de venir compléter ton virage avec en poussant un petit peu tes pieds vers l'avant, entre toi ici et le bas de la pente, pour que ton talon de ski lui accroche un peu plus puis qu'il t'amène vers ton prochain virage. On va essayer d'expérimenter ça ici pour nos prochains virages vers le bas de la pente. C'est bon? C'est bon. C'est pas désagréable d'avoir des conseils en plus de la vue, en plus de l'accompagnement, en plus de tout. Oui. La pompe nous ramène soit à la télécabine, soit à la chaise grande pointe. Wow, c'est surprenant. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente. C'est un long week-end de Pâques. On s'attendrait à vraiment plus de monde. Oui, t'as raison, Michel. Écoute, ici, là, on a vraiment choyé. Là, nos files d'attente sont un petit peu plus courtes ici parce qu'on limite la vente des billets journaliers. Donc, ça ne vient pas embourber nos files d'attente, tout ça. Et en plus, si tu as un doute, il y a des panneaux d'affichage qui indiquent l'achalandage sur la montagne. Puis ça nous affiche la tente là, en direct. Ben, c'est ça, exactement, en direct. Donc, ça donne une idée un peu de où c'est plus occupé aux files d'attente. Puis tu peux choisir un peu tes... C'est un beau focus sur l'expérience qu'il y a. Exactement. Le summum. Oui, exactement. Et nous, on continue. Oui, hein, on continue. C'est ça. Il n'y a pas seulement le ski alpin au massif. Non, Michel, on offre les randonnées en raquettes pour montrer un peu la montagne. Il y a différentes pistes de raquettes sur la montagne ici. Il y a du skiffon aussi qui se trouve au sommet avec les sentiers des caps, tout ça, là, donc qui est accessible là, au sommet. Et aussi, on a la luge qui est quand même unique en son genre, qu'on offre 7,5 km de descente en luge et qu'on peut se rendre aussi en raquette ou en quatre skis. Qui est une expérience là, tout à fait unique. Là. Puis ce qui est unique en plus, la luge, on peut la faire le jour et le soir. On l'avait fait le soir, nous, c'était magique. Exact. Par temps clair, on peut voir les lumières des villages de l'autre côté du fleuve. On doit réserver d'avance pour la luge. Depuis le massif et le Club Med de Charlevoix, Skimag revient après la pause. Fait que là, les gars, ben, deuxième descente, on s'en va vers le Camboul. On va passer par la Jean-Noël, qui est une piste facile, débutante, là, pour se rendre de ce côté-là. Puis on s'en va au Camboul, donc 806 mètres d'altitude. Exactement, Michel, t'as raison. Dans les grandes hauteurs du massif. Oui, absolument.
Michel, on se retrouve ici là, au bas de la remontée Camboul. On voit toutes les pistes ici qui sont accessibles à partir de la chaise du Camboul. Et ici devant toi, là, si tu regardes de ce côté-là, c'est un des accès au ski de randonnée en fait. Donc ici, on mettrait nos pots, tout ça, et on commencerait à monter là, pour avoir accès là, au ski hors-piste sur le mont Ligori. C'est une petite montée de 1,3 km, 400 mètres de dénivelé. Tu arrives sur un beau refuge qui donne sur trois pistes, tout le temps dans le secteur hors-piste. Puis de l'autre côté, à l'autre extrémité de la montagne, tu as une autre belle piste, promenade crête, un dénivelé de 770 mètres, mais toujours, toujours avec la vue sur le fleuve. Pour les grimpeurs, c'est la place à monter. Oui, 806 mètres en altitude, là, en haut du Camboul, ça peut faire des conditions différentes. Hein? Oui, exactement. En plus de l'orientation des pistes, on se retrouve avec des conditions un peu plus hivernales des fois quand il fait plus chaud ailleurs ou quand le soleil est un peu plus présent sur d'autres pistes, d'autres versants. Puis en haut du Camboul, c'est à partir de là où il y a accès à un autre secteur de rando alpine. Absolument, oui. Donc, en utilisant la chaise ici, ça nous permet d'avoir accès à Ligori sans monter là, autant que les autres points d'accès un peu partout sur la montagne. Donc, c'est un petit peu plus direct à partir du haut de Camboul. Hey, la buvette de montagne, ça a vraiment l'air bien, ça. Oui, ça, c'est super. C'est une expérience gastronomique qu'on offre à nos invités sur la montagne. Ça se situe ici, là, au sommet du Camboul, en haut de la chaise Camboul. C'est accessible en ski ou en voiture, le stationnement juste ici. Puis on offre un service de lunch, apéro et souper. On recommande vraiment de faire les réservations d'avance parce que c'est très occupé, très en demande. C'est réputé, là. C'est l'expérience de David Forbes. Exactement. Donc, on pourrait manger ici. On pourrait, mais nous, on s'en va au Club Med. Ah! Ouais. Pas piquer des verres non plus. Ben non, c'est ça, exactement. Avec notre buffet à volonté là-bas, là, on va s'en tirer bien. Michel, la piste signature, la racine, là, c'était-tu magnifique comme paysage? Avec la vue pour s'en venir ici, puis quand on arrive... Tiens, direct au hall d'entrée, prêt pour aller manger. Puis moi, le local ski, le ski room, je l'aime beaucoup. Ah. Viens dedans. Vive, où ça, où ça? Du Brésil, Emmanuel. Oui, c'est facile. Allez, on roule, ça revoit. Ça va? Hey, Michou! Ça va? On nous a dit que c'est toi qui nous accompagne pour le dîner? Vous devez pas avoir un peu soif, là, après tous les crazy signs, quand même, ouais. T'es-tu en train de nous offrir un cocktail avant le dîner, toi? Ouais. Ouais, pourquoi pas? On était en vacances. Ah, ben, c'est ça qui est bon. Merci, Michel. Vous sortez, me fait plaisir, Michou, Michel. Tu es avec nous? Ben, moi aussi. Merci, Michou! Ça me fait plaisir. Ah, c'est bien, ça? Ça donne faim, les Crazy Signs, mais ils mangent pas trop parce que, imagine, ça, c'est le goûter avant le dîner. Oui. Quelques légumes. Un petit peu de légumes. Avec ton hot dog. Ben oui, ça. Garde-toi de la place. Mais les dîners, ici, comment ça se passe? Eh bien, écoute, il y a une sélection énorme. Il y a au moins 7 menus juste le midi. On a différents coins, différentes stations, asiatiques, on va avoir italien avec le four. Et on a aussi une section végane, histoire de ne pas trop se remplir. Mais tu dois avoir des clients qui retournent même pas dessus après le dîner. Tu les vois, ils sont allongés, ils vivent leur meilleure vie. C'est par là? C'est par là, voilà. Et donc là, on arrive à l'entrée. Ah oui, c'est la salle moisson. C'est la salle moisson ici, exactement. Il y a trois différentes salles et chacun a leur propre thème. Les lampadaires, c'est des libellules. On retrouve un peu la moisson avec les cultures. Tout va ressembler à un thème, tout va ressembler et va rapprocher la nature. C'est magnifique, la décoration, là, c'est vraiment inspirant. Restez là, nous revenons tout de suite après la pause. We'll be right back.
Francis, merci de nous accueillir dans ton village parce que tu es vraiment le chef du village. Puis depuis le début, comment ça a été inaugurer ça là, de zéro? Mais écoute, oui, depuis le début, depuis 2021, moi, ça fait déjà depuis 2019 qu'on m'avait approché pour que j'ouvre le premier village au Canada. Évidemment, en tant que Canadien, c'était encore une valeur encore plus, je peux pas dire plus sûre, mais faire une ouverture dans un pays, je pense que c'est toujours très utile d'avoir une personne qui connaît les environs, qui connaît aussi les mentalités, qui connaît aussi comment on est capable d'amener aussi le Club Med, qui est très européen, mais qui est très international, à notre saveur ici québécoise, surtout dans le coin de Petite-Rivière-Saint-François. Ouais, il y a beaucoup d'accents québécois, mais la clientèle vient de où en général? À 80%, ça reste canadien, français, québécois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup du 3-4 jours. Cette année, on voit quand même un changement. Évidemment, après le post-COVID, on a eu quand même une clientèle un peu plus française, quand même de l'Argentine, du Mexique, au-dessus de 1500 Brésiliens. Et de ce que tu reçois des commentaires, d'après toi, les gens recherchent quoi quand ils viennent ici? Pour beaucoup de monde, c'est la découverte. C'est important. Si on regarde, exemple, nos Brésiliens, bien, les Brésiliens sont au-dessus de 20 000 à tous les hivers à aller dans plusieurs villages de montagne au niveau du Club Med. Comment fonctionnent les horaires? Le matin, bon, on les accueille autant au niveau du mini-club, on les accueille au restaurant et tout. Après ça, bien, les gens ils partent en ski. Ils partent avec le moniteur de ski. Après ça, vers 11h30, 11h45, c'est le retour ski qu'on appelle. Donc, un peu de nourriture, des danses, ces fameux crises simples qu'on fait tout le temps. L'heure du lunch, après ça, les gens repartent jusqu'à 15h, 30, 16h. Et là, bien, c'est le retour ski. Comme là, tu vois, aujourd'hui, on a le grand goûter avec tous les enfants. Donc, les enfants, les familles. Et puis, il y a des thèmes après pour les soirées. On aime toujours donner ce petit côté. C'est un côté Club Med, c'est un côté qui est unique. Tu vois, comme ce soir, la tenue, c'est le 45. Mais pourquoi le 45? C'est que bien, le Club Med existe depuis 1950. Quand M. Blitz, M. Trigano ont construit le Club Med après la guerre, c'est comment qu'on fait rassembler les gens? C'était avec le sport et c'était avec la nourriture. Donc, on commençait ça en 1950. Et quand on en a un, M. Trigano, qui a pris sa retraite en 1995, on a créé le 45, donc soit après 45 ans, et les gens sont restés vraiment accrochés par rapport à ça. Parce qu'on a essayé le 50, on a essayé le 70, ça n'a pas marché, mais les gens sont vraiment restés attachés à ça. Bonne journée, hein? Par la suite, ben, le soir, on va revenir avec l'apéritif, le fameux spectacle Géo, et puis la danse jusqu'aux petites heures du matin. D'embarquer dans ce délire avec l'équipe Géo, d'avoir des dress codes de couleurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui aime venir au Club Med. Comme on dit, on laisse aller son fou, on fait les crédits scènes, on danse, on s'amuse. Il n'y a personne qui va être ici pour te juger. On veut sortir de la banalité et on veut que ce soit normal d'avoir du fun. On vient au Club Med? Exactement, c'est normal d'avoir du fun. C'est exactement ça. Moi, ça fait quoi? Ça fait 14 ans que je fais ça. J'étais un enseignant en éducation physique. J'enseignais le ski alpin au Japon pour le Club Med et de fil en aiguille. Ben, à un moment donné, on m'a dit « Francis, t'as envie de devenir chef de village? » J'ai dit ben, « Pourquoi pas? » Tout simplement, je ne me suis pas cassé la tête. Donc après 14 ans, puis vous accueillir ici maintenant, mais pour moi, ça me fait un très chaud cœur. Mais en tout cas, on sent vraiment l'enthousiasme. Un gros merci, Francis. Un gros merci à toi. Passe un bon moment avec nous autres. Très belle journée de ski, hein, Michel? Ah, c'était magnifique, mais la journée n'est pas finie. Moi, je m'en vais faire des longueurs à piscine, viens-tu? Ah, moi, j'aimerais mieux aller au gym. Il paraît que le gym, il est sensationnel. C'est vrai que le gym, il est vraiment bien équipé. Alors, je te vois tantôt. C'est beau, bye. Bye. Ça, c'est une journée de ski. Michel! Puis, on passera pas l'après-midi ici. Faut aller au 5 à 7, là. Au 5 à 7? Ben oui! OK! Toujours prêt! Aidant! Hey, puis ça, c'est bon en plus. Hey, c'est tout ce que j'ai aimé de la journée, moi? Oui. Hey, moi, je pars ça, là. Je suis accueilli en bas. Ils ont préparé mes skis. Je sors au niveau de la piste. Il y a un niveau 4. J'ai fait de la bosse avec un niveau 4. C'était ça, c'est quoi ça coche? Mais moi, Michel, je suis maniaque de ski. Mais moi, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est le cours privé au fitness, la bouffe,
les cocktails. C'est génial. Et je vais pas te relancer, là, mais c'est-tu ce qu'on fait encore le mieux là-dedans? Non. On skie demain. Dans notre prochaine émission, nous continuons notre aventure et skions la fameuse Charlevoix. Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol, 100% québécois. Nous désirons remercier les vêtements Orage, ainsi que les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. SkiMag vous a été présenté par eWool. Activez la chaleur. Merci au Massif et au Club Med de Charlevoix.